Pays d'Haïti, bon people, en fait, gagné la marine la République dominicaine qui interceptait et près d'une centaine, on dit plus précisément 99 Haïtiens, eh bien, qui te prend direction pour Porto Rico. Et dans le bateau, a été gagné, et on dit deux passeurs de Dominicains. Et on dit un bateau qui était réduit en cendres, parce que la vérité, si vous voyez ça, t'es fait. En plus, le monde prévoit que le monde s'est mort. Et au cas où vous comprenez, l'on paye pas ni dirigé ni administré, et c'est corruption, inconditionnalité, mensonge, propagande, la loi des gangs qui a primé habitants, il n'y a pas d'autre alternative que courir pour échapper par tous les moyens. Hier, yeah, c'était Canal du Vent vers la Floride. Jodia, c'est la jungle mortelle de Darien. Vous comprenez bien? Parce que vous causez là, et Darien, et forêt, ça mange en pile moun. Donc, vous prenez tout moyen, vous n'avez pas besoin qu'on ait. Et dans le cas, ça n'a pas là avec vous là. C'est bateau, vous prenez. Et vous avez décidé de traverser le canal de la Mona pour y aller vers Porto Rico. Haïtien, ça y est. Et vous pouvez finir explorer toute frontière dans la tentative justement pour y chercher au mieux être. Quitter pays d'Haïti, bah tout corrompu ça yo maintenant au total pour nous préciser c'était 97 Haïtiens, 57 garçons, 42 femmes et en plus deux Dominicains qui ont été arrêtés et les ces membres jeunes de l'armée marine dominicaine qui et pendant qu'ils ont tenté aller de manière illégale à Porto Rico dans un canot, vous entendez bien? Un canot pneumatique. Vous comprenez? So, pas être chargé, oui. Non, canot pneumatique. Ça veut dire canot avant, oui, mes amis. Et depuis Boca de Laguna, c'est comme ça, vous avez besoin d'aller là. Voyageurs qui est exaspéré, yo te mené yo dans la direction enseignement naval M2 de la marine dans le secteur de Los Mameyes, en Santo Domingo. Et yo confié dans les prochaines heures. Et vous confiez aux autorités d'immigration pour être capable, bien entendu, rapatrier au Pimpé au Port-au-Prince. Garde-côte dominicain expliquait que bateau a qui gagne 40 pieds, l'équipe de deux moteurs et de 75 chevaux, chacun 14 gallons d'essence et ils ont été choisis et ils ont tout boulé dans le même côté. Et dans les deux cas, deux dominicains ça yo, une femme et un garçon. Agent enquêteur yo présumé que yo capable responsable voyage ça qui pas d'arriver ici et yo t'a posé yo en pile question donc voyageur clandestin et yo pas arrivé justement sauvé en fait gen moun qui parlait de 55 mais c'était plutôt 57 garçons de 90 liés et donc et femme d'ou bien les voyages ça raté en pile diaspora moun konn baga là. Et en plus, diaspora dépense en pile quoi. Parce que les consa ou et 3500 dollars, on a besoin là, on a fait un voyage. On même dégage si c'est 3000 et si c'est 4000 pour vous et aller. Vous comprenez? Parce que si vous pas Bali, Abdou, vous êtes venu aller, vous pas quitter aller, patati patata. Bon, en fait, c'est comme ça là. Et maintenant, là, comprenez bien, ça n'a pas expliqué là, c'est des gens qui ont tenté de prendre en mer, mais. Et gang des groupes de monde là où on fait route là bah ça son bah tête charge fait le fait causer faire route ça et plusieurs là-dedans n'ont fait route ça ils va arriver faire et OK on dit c'est une journée tragique pour arriver jusqu'à ce arriver Panama et ça qui dit ya puis faut là-dedans yo quand qu'on formule là yo dit les yo grand petit monde yo gain plus chance presque tout gain un petit monde non mais parce que tout le monde a un petit monde qui a marché. Parce que c'est un petit monde qui est clé. Parce que quand on est arrivé, il a plus de chance. Donc, petit monde n'a pas misé ça. OK? Et en fait, première communauté, là où on traverse la forêt, ça pour arriver à Boho Chiquito. Première communauté du côté de Panama, et qui est chargée avec la boue. Après, on a fait passer toute nuit là en bas la pluie. Journée ça en fait journée qui est très dure en fait c'est on qui expliquer ça le passé qui est très long et en des monde qui fait qui n'en causé faire route ça et l'expliquer gain en pile cadavre monde qui pas arrivé justement
rive Canaan, si nous avons relé comme ça. Il y a expliqué pendant qu'il y a marché, il y a d'autres migrants et avec l'autre petit monde qui choisit ou même peut-être qui prend canot, taxi pour mener dans le village, dans small village. Il y a d'autres haïtiens qui goumen sous canot ça pendant yo kembe et ti moun 3 ans nan mer et il dit et en fait la expliquer c'est misère ça c'est toute misère ça que ou gagne pour passer si tout bon vrai ou vle une nouvelle vie ou souvle une meilleure vie donc et ou gagne vraiment pour passer dans un baptême de feu parce que bagay yo très difficile pour haïtien yo k'ap fè voyage ça. Et so far, nous voulons dire pour 2021, il y a à peu près 64 000 migrants qui traversaient d'Arien, ça, jungle, ça, forêt, ça. Et il y a 18 000 pour mois d'août là, simplement suivant le ministère de la Sécurité au niveau de Panama, Jean Pino. Et en fait, il y a des American Dream. Et dimanche, il y a 500 qui sont sortis dans la forêt d'Arien, ça. Et il y a une forêt qui de 575 000 hectares, j'ai dit ça, UNICEF dit c'est une pi en fait c'est une forêt qui plus dangereux dans le monde là, dit infesté de on armé de gang, drogue, dit les drogue trafiquants qui souvent volé à faire monio attaquer immigrants qui traversé yo. Et Panama et Colombie, autorité Colombie d'accord pour yo permettre le passage de 500 migrants par jour à cause de ça. Et donc pas oublier que yon nan migrant sa pa gen yon ki vle rete Panama, pa gen yon ki vle rete Colombie, c'est ou de passage parce que pa gen la vie nan zone sa ou, direction c'est vers les États-Unis, c'est destiné ou c'est là où vle aller et c'est là où pense que y a pas arrivé réaliser dream yo, joindre bon travail, c'est comme ça bagay la ye. Et donc yo kon traversé marcher pendant plusieurs jours, donc là c'est pour moun ka traverser, cap faire route là. Donc nous avons toute catégorie d'haïtiens cap utiliser tout moyen que nous avons qui disponible justement pour nous laisser pays d'Haïti. C'est vraiment une situation difficile. Mais nous t'avons dit pour tout le monde. Si tout pour monde, si tout pour monde cap faire route, on veut dire que bagay là pas même gens encore, on va parler avec nous là. Ou bien doit paraître biodou, yo pas même temps d'eau même sous base du coronavirus là qui ont commencé à implanter là au cas où retourner et comment bah qui changer faut au courant même qu'à demander quoi pour aller faire route là je ne j'ai dit à officier au gendre en y rester comme ça bien serré au kembo et puis c'est eux même qui tournent un juge hier ils ont posé aux questions suivant réponse bah là et puis en y juste dit bon ou pas éligible ils ont décidé ils ont tout décidé causé asile là. Et puis tout pim pour tout non pas même gèt rentré dans pays. Donc officier yo non on a parlé a gen droit pour yo process cas de demande d'asile yo suivant Jean yo expliquer yo gen droit sous place yo tout deny causé asile loi. Donc voilà guys justement et nous te voulons porter update ça yo pour pas oublier toujours été connecté avec nous. Les dernières infos nous toujours partager au boy site là.